تعلموا 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 العلم نور وانشروا العلم فالعلم نور وتمسكوا بمن بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Donc là, le cours, il est en direct, mais je filme avec un autre téléphone parce que le, lorsque je fais le live sur Telegram, en fin de compte, il y, a, il y a ça bug. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien le cours en vidéo sur YouTube et en même temps, ça vous permet d'avoir le direct en audio. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer ce troisième cours de Kitab Tawhid et ça va concerner le deuxième. Chapitre. Et pour certains savants, ça va concerner le premier chapitre. Car comme je vous avais dit, certains savants estiment qu'il y a 67 chapitres et d'autres disent non, il y en a 66. Et les cours que nous, le cours que nous avons fait la semaine dernière, c'est un préambule, une introduction. Mais peu importe, nous considérons cela comme le deuxième chapitre. Ben, Fadlut Tawhid. C'est-à-dire, chapitre du mérite du tawhid, c'est-à-dire du monothéisme, et des péchés qu'il permet d'effacer ou d'expier. Ce chapitre-là est un chapitre très important, car il va permettre, donc après que nous allons citer, le verset du Coran et les différents hadiths de montrer les mérites du monothéisme, donc du Tawhid. Est venu également dans une copie diafinausra fi Fath al majid. Donc dans le livre de Fath al majid de qui? Abdelrahman ibn Hassan. Et nous avons dit que Abdelrahman ibn Hassan c'était qui? Le petit-fils de Shir Mohammed ibn Abdul Wahab. Il dit, bab c'est-à-dire, c'est un chapitre qui vient mettre en évidence le mérite du tawhid et les péchés qu'il permet d'effacer. Ici, le fait de dire chapitre du mérite du tawhid. Ensuite, juste après, et des péchés qu'il vient expier. Les savants ont dit, Bab, c'est un état général. Et ce qu'il vient, euh, c'est-à-dire ce qu'il vient expier comme péché, le fait qu'il expie les péchés et qu'il les efface, ça c'est un état spécifique. Donc ils ont ramené l'état général ici, le mérite du Tewhid, et juste après l'état spécifique, après l'état général, en disant que parmi les bienfaits du tawhid, il vient expier et effacer les péchés. Et d'ailleurs, <coughs> parmi les bienfaits du tawhid, qui sont immenses, c'est qu'il permet d'entrer au paradis. Et c'est l'une des plus grosses, des plus grandes pardon, causes qui va te permettre de rentrer au paradis, c'est quoi C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, parmi les mérites du tawhid, c'est l'entrée au paradis. Et parmi les autres mérites, il y a également le fait qu'il efface les péchés. Et vous le savez, on nous en avons déjà parlé dans l'explication d'un hadith, parmi les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, c'est que nous n'entrerons pas au paradis grâce à nos actions, mais nous, nous entrerons au paradis uniquement par la grâce d'Allah, par les bienfaits d'Allah. Mais il faudra en conséquence avoir des actes pour entrer au paradis. C'est-à-dire que les actes sont une cause, mais cette cause-là ne suffit pas à faire entrer les croyants au paradis. Car nous entrerons au paradis. Uniquement par la grâce d'Allah. Mais il faut faire les causes en accomplissant des bonnes œuvres pour pouvoir rentrer au paradis. Donc le tawhid, le monothéisme, ça fait partie, c'est-à-dire le fait de le concrétiser, de le mettre en pratique, ça fait partie des meilleures œuvres que vous pouvez accomplir. Et rappelez-vous que nous l'avons déjà dit dans les trois fondements, que c'est une condition parmi les deux conditions pour que toute œuvre et toute adoration soit acceptée. Et le tawhid, le monétisme ou l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est également une cause qui, te, qui va te t'éloigner de l'enfer et te préserver du châtiment de l'enfer le jour du jugement dernier. Pourquoi? Le tawhid va te préserver de l'entrée en enfer ou du châtiment d'Allah subhanahu wa pour deux raisons. Tout d'abord, le tawhid, il est très lourd dans la balance. Et vous le savez, comme nous l'avons déjà vu, que les actes et les œuvres de Benny Adam, des enfants d'Adam, vont être pesés le jour de la résurrection. Qu'est-ce qui dit Allah Subhanahu wa Ta'ala Ceux dont les œuvres veulent... Vont peser dans la balance, certes, ce sont ceux-là qui auront réussi, qui connaîtront la réussite. Et ceux dont les œuvres seront légères, ceux dont les œuvres se sont, seront légères dans la balance, ceux-là seront les perdants. Surat al-A'raf, versets 8 à 9. Et la deuxième chose qui va concerner le Tawhid, pourquoi il va nous permettre de nous, de nous préserver du châtiment euh, euh, le jour du mois dernier et de l'entrée en enfer, c'est que le Tawhid permet d'effacer les péchés, comme nous l'avons indiqué dans le titre de ce chapitre. Et les péchés, ce sont eux qui vont te faire rentrer en enfer. Et le monothéisme, le Tawhid, c'est ce qui va permettre d'effacer ces péchés-là. Donc, le Tawhid, pour ces deux causes-là, va te permettre de t'éloigner de l'enfer et du châtiment. Et te permettra, par la même occasion, de rentrer au paradis. <coughs> Donc, soit l'entrée en enfer en début, c'est-à-dire ceux qu'ils auront, et ça, ça sera l'objet du prochain chapitre, Inch'Allah. Mais nous disons un petit mot concernant cela. Rappelez-vous que je l'avais déjà énoncé dans l'explication des trois fondements que les gens qui ont pratiqué un monothéisme soit ça va être un monothéisme parfait complet et cela là entreront au paradis directement soit ils auront pratiqué un monothéisme qui est incomplet imparfait et cela là vont rentrer au paradis après un passage plus ou moins bref en enfer. Donc voilà l'introduction concernant ce chapitre et là nous allons lire le premier verset. Et comme je vous l'avais déjà dit lors du premier cours, le livre de Kitab Tawhid, le livre de l'unicité de l'Imam Mohammed Ibn Abdel Wahab, c'est qu'à chaque fois, chaque chapitre, il y a une introduction qui est tout le temps un verset du Coran. Ensuite, il ramène des hadiths, minas sunna, des preuves parmi les hadiths et ça sera souvent le cas. Parfois il y aura un verset, deux versets, trois versets, ensuite un seul hadith. Et parfois il y aura un seul verset du Coran et trois ou quatre hadiths en fonction des chapitres. Par Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina amanu wa lam yalbisou imanahum bi dhulm. Ula'ika lahumul amnu wa hum Traduction. Ce verset qui est dans sourate Al-An'am Verset 82, les bestiaux. Surat les versets 82. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, c'est-à-dire ici l'association que nous allons détailler juste après, ceux-là auront la sécurité et ce, ce sont eux les bien guidés. Donc concernant ce verset, il a une cause. C'est-à-dire ce verset. Pourquoi le Prophète de l'a cité? Et pourquoi Cheikh Mohammed Abdelwahab, l'a ramené ici dans ce chapitre de, du mérite de l'unicité. Le verset qui est venu dans, dans, dans une histoire concernant Ibrahim A.S. avec son peuple. Allah, il dit à ce propos concernant Ibrahim A.S. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن كنتم تعلمون سورة الأنعام verset 81 les bestiaux verset 81 traduction comment aurais-je avoir des associés Alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne voulait pas faire descendre aucune preuve. Ou pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve. Lesquelles donc des deux parties a le plus droit à la sécurité Si... Vous le saviez. Donc, ce verset a été cité, et en réponse à ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont cru et n'ont jamais point troublé leur foi ou leur tawhid de quelconque injustice, alors ceux-là auront la sécurité et seront les bien guidés. Donc, ça, c'est une réponse au verset que j'ai cité pré précédemment qui concerne Ibrahim et son peuple. Pour traduire donc ce verset, <'il y a> un <unifié> Ceux qui ont cru. On traduit cela, on explique cela par ceux qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens de croire ici, c'est à dire unifié. Lam <'il y> bisou, <unifié> Les exégètes ont dit lam yalbisou ay lam yakhlatou. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas troublé ou mélangé la pureté de leur foi ou leur monothéisme. En l'occurrence, ici, la foi, c'est le monothéisme. C'est-à-dire leur foi ou leur monothéisme avec une injustice. Et c'est quoi l'injustice ici? L'injustice, c'est l'association, comme l'a expliqué le prophète وسلم dans un hadith. Il y a un hadith qui a été rapporté dans les deux recueils authentiques de le Muslim, d'après euh, Abdallah Ibn Mas'ud, que ce verset-là, lorsqu'il a été révélé aux compagnons, alors euh, les compagnons ont éprouvé une difficulté concernant ce verset-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au professeur Assalem lorsqu'ils ont entendu le verset qui n'est pas injuste envers lui-même Et rappelez-vous lorsque nous avons expliqué un hadith parmi les hadiths arbaeenawiya que l'injustice était de trois types. Et la plus grande des injustices, c'est quoi C'est l'injustice qui est faite envers Allah subhanahu wa taala, le fait de lui associer quelqu'un dans l'adoration. Et c'est la pire des injustices. Ensuite, il y a l'injustice envers soi-même que nous avons détaillé, et il y a l'injustice envers les autres. Rappelez-vous que nous avons expliqué le hadith sur l'injustice, comme quoi wa ta'ala s'est interdit l'injustice et l'a interdit à nous-mêmes. Alors il a dit, ne soyez pas injustes envers vous-même et envers les autres. Et les compagnons s'exclamèrent. Ils disent au prophète, qui de nous n'a jamais commis d'injustice envers lui-même Le prophète Sassam il a dit, il ne s'agit pas de ce à quoi vous pensez. L'injustice ici désigne le polythéisme, l'associationnisme. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux en parlant de qui? L'Okman. Lorsqu'il a dit à son fils, l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. Comme je vous ai dit, la pire des injustices, c'est d'adorer autre qu'Allah alors que c'est lui qui est à créer. Donc là, le professeur Sallam, il a expliqué que l'injustice ici, ce n'est pas l'injustice qui, qui nous vient à l'esprit, comme le fait d'être injuste envers soi-même ou envers les autres. Non, c'est l'injustice qui est expliquée par le politisme, l'associationnisme. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit Lokman à son fils L'associationnisme est, est véritablement une énorme injustice donc envers ton Créateur, le fait que tu l'associes à quelqu'un d'autre dans l'adoration, car tu lui dois un culte exclusif, une adoration unique, alors tu as commis une énorme injustice envers ton Seigneur. Donc le professeur Salem ici, il nous a montré que l'injustice, c'était le politisme. Qu'est-ce que Volmes ici Qu'est-ce que l'injustice? Les savants ont défini l'injustice. C'est le fait de mettre une chose qui n'est pas à sa place. Ou une chose à la place d'une autre. Donc, lorsque vous allez associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette association, à la base, vous la devez exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait que vous l'associez et que vous allez adorer autre qu'Allah, donc vous n'avez pas mis l'adoration à sa place, vu que vous l'avez déplacé et vous avez adoré autre qu'Allah. Donc là, l'adoration n'est pas à sa place. Voilà la définition de l'injustice. Et le prophète a montré que tout croyant qui se désavoue du politisme, le grand politisme, et non pas le petit, et ça, c'est l'objet. Là, nous allons pas détailler le politisme, le petit, le grand, le caché. Ça, ça sera l'objet du chapitre numéro 4, dont nous allons parler uniquement de l'associationisme. Ces différentes catégories. Quelle est la différence entre le grand, le petit, le caché euh, Et il y a pas mal de différences. Est-ce que le, le petit fait également sortir de l'islam ou pas Est-ce que c'est uniquement le grand Est-ce que le caché, il se trouve dans le grand, dans le petit Etc. Ça, nous en parlons exclusivement dans le chapitre numéro 3. Donc là, le professeur salem donc il a dit, celui qui est croyant, c'est des avoués du shirk, le grand politisme, Alors il a une part de guidée et une part de sécurité. Donc celui qui a la foi complète, parfaite, alors il aura la sécurité et la guidée complète et parfaite. Mais celui qui a, c'est ce qu'on appelle mutlaq al iman. C'est-à-dire, qui, 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 a la foi à la base, mais qui n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il a de la foi en lui, mais qui est incomplète. Alors, lui, il aura al ou à cest C'est-à-dire qu'il aura une part de guider dans cette villa là dans l'au-delà, et une part de sécurité dans cette villa là dans l'au-delà. C'est-à-dire que la part de foi que vous avez, est proportionnellement grande à la part de sécurité et de guidée, comme on dit les savants. Si tu as une foi complète et parfaite, tu auras une guidée complète et parfaite, et une sécurité complète et parfaite. Et si tu as une foi qui est amoindrie, parce que tu as commis, par exemple, du politisme mineur, ou tu as commis des grands péchés ou des petits péchés, alors ta foi va être amoindrie, imparfaite, incomplète. Donc, ta guidée et ta sécurité seront imparfaites, incomplètes certains gens de science ont dit que ici c'est à dire la guidée complète elle vient proportionnelle avec la foi qui est complète et la sécurité ici ils ont dit c'est la sécurité dans l'au-delà et la guidée ils ont dit c'est la guidée qui est dans cette vie-là, parce que nous disons tous les jours dans notre prière guide-nous vers le chemin droit, le chemin rectiligne, donc c'est dans cette vie-là qu'on demande la guider c'est-à-dire que euh, l'option est la chose la plus juste qu'ont dit les savants c'est que ces gens-là ceux qui n'ont pas entaché leur foi leur monétisme de quelconque iniquité, injustice, c'est-à-dire l'associationnisme majeur cela auront la guidée dans cette, dans cette vie-là et dans l'au-delà, et ils auront également la sécurité dans cette vie-là et dans l'au-delà. Vous voyez les mérites du monétisme, les mérites du tawhid, ce que cela engendre et permet d'avoir une sécurité, une vie paisible. Et ici, la sécurité, qu est -ce qu ils l'ont définie comment les savants Ils l'ont définie par la quiétude du cœur et de l'âme. Le fait d'avoir une foi parfaite, un monothéisme parfait, cela te permet d'avoir une tranquillité au niveau du cœur et de l'âme et une tranquillité, une sécurité et une guidée le jour de la résurrection. Donc, dans cette vie-là, il n'y a aucun doute que parmi les fruits de la foi et de l'obéissance à Allah, c'est qu'Allah va te guider sur le droit chemin. Comme nous le faisons tous les jours en demandant à Allah de nous guider sur le droit chemin. Donc, parmi les fruits également de la guidée dans cette vie-là, le fait qu'il t'ait guidé dans cette vie-là, va te donner les jardins au paradis. Des jardins et des délices au paradis. On nous passons à l'explication du premier حديث. كاين الحديث دو عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال <coughs> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم Traduction D'après Le compagnon il a dit Le prophète a dit Quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité En droit d'être adoré Si ce n'est Allah unique et sans associé Et que mohammed est son serviteur Et son messager Et que Issa est le serviteur d'Allah et son messager sa parole qu'il envoya à Maryam est une, âme, est une âme venant de lui. Que la, le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, entrera au paradis, quels que soient ses actes, rapportés par al bukhari ou à Muslim. Donc là, concernant le hadith de Ubadah, il a... Beaucoup de choses et contient énormément de mérites et de bienfaits. Ce hadith-là, les savants, ils disent que c'est un des hadiths les plus importants qui vient montrer les questions de la croyance authentique. Le prophète a dit celui qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Le témoignage, rappelez-vous, lorsque nous avons fait l'usur le thalatha et ça, nous détaillerons. Les sept conditions de « La ilaha, ilallah, Parce qu'il y a un chapitre qui va parler exclusivement C'est le chapitre 5 qui va parler exclusivement de « La ilaha, ilaha » C'est-à-dire la signification de « La ilaha, Et ça nous le détaillerons Donc les sept conditions, d'après certains savants c'est huit Et les conditions de Muhammad comme nous l'avons vu qu'ils étaient au nombre de quatre Tout ça nous le détaillerons dans le chapitre 5 c'est-à-dire celui qui va attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah avec certitude au niveau de son cœur. C'est-à-dire qu'il doit être certain qu'il n'y a pas de divinité d'être adorée, qu'il n'y a pas de doute et il n'y a pas de place pour le doute dans son cœur. <t> en> Ensuite, il vient confirmer cela avec la langue. Et rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de illallah, dans les trois fondements, nous avons dit une certitude avec le cœur et une prononciation de la double attestation avec la langue. Et venir concrétiser cela, confirmer tout cela avec des actes. Et rappelez-vous, la foi, elle y mène. Nous avons dit que c'est une croyance avec le cœur, une parole avec la langue et des actes avec les membres du corps. C'est ça, la véritable signification de la ilaha Qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Donc ici, la récompense concernant les mérites du Tawhid, cela, faut bien le comprendre. Comme l'a rapporté Hassan al-Hassan, lorsqu'on lui a dit, Man qala la ilaha illallah dakhala celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Qu'est-ce qu'il a répondu, Al-Hassan? Il a dit, certes, celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Mais il a dit, celui qui lui donne son droit. C'est-à-dire, donner les droits et les conditions de cette parole de la ilaha illallah. Ça, nous le détaillerons donc dans le chapitre concernant la définition de la ilaha C'est-à-dire que la ilaha illallah, elle a des droits et elle a des condition. Donc, il suffit pas de la prononcer pour entrer au paradis. Il faut la mettre en pratique. Et ensuite, lorsque, on a questionné, qui était un tabi'i, on dit, n'est-il pas vrai que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis? Il a dit, bah là, bien sûr. Mais, chaque clé a des dents. Et si tu viens avec une clé qui n'a pas de dents, elle ne pourra pas t'ouvrir la porte. Et la ilaha illallah, c'est la même chose. Si tu viens avec la ilaha illallah sans condition et sans obligation, elle ne t'ouvrira pas la porte du paradis. Donc, celui qui atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, nous avons dit, comme l'a expliqué le professeur Sallallahu avec certitude et avec science. Et rappelez-vous, la science et la certitude font partie des conditions parmi les sept conditions de la ilaha illallah. Donc ce, cette shahada, cette attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, doit être construite sur des bases solides. Et parmi ces bases-là, il y a la science. Et rappelez-vous, comme nous l'avons vu dans l'introduction de Trois Fondements, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il la shahida bil Sauf celui qui atteste avec véracité. « Wa hum Et ils savent. Ils connaissent Surat Zuhru verset 86 Et dans un autre Ce verset là nous l'avons vu déjà dans Trois fondements Surat mohammed verset 19 Sache qu'il n'y a pas de divinité D'être adorée et demande à Allah Qui t'accorde Ou qui te fasse Qui t'efface tes péchés Le fait de savoir ici nous avons vu que c'était une condition préalable dans la Ilaha illallah. « Wa astaghfir li dhambik »« Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il tes péchés. » Et nous avons vu que ça, c'était les deux conditions de, de chaque acte d'adoration, c'est-à-dire l'ikhlas ou le mutabah Et ici, le fait de savoir, de connaître ton Seigneur, Ensuite, c'est-à-dire, euh, demande qui t'absout en péché, mets en pratique cette connaissance. Et rappelez-vous, nous avons dit, la connaissance, la mise en pratique, le fait d'appeler à cette connaissance, à cette religion, et le fait de patienter. Donc là, c'est tu apprends à connaître ton Seigneur et tu mets en pratique cette science. Et nous avons vu que illallah, il contenait une négation et une affirmation. Et le tawhid n'est véritablement tawhid que si on, on trouve dans ce tawhid la négation le fait de rejeter toutes les divinités en dehors d'Allah et d'affirmer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan 'abduhu Et que Muhammad témoigne que Muhammad c'est son serviteur et son messager. Un serviteur que l'on n'adore pas et un prophète que l'on ne rend pas menteur le nom que l'on dément pas et ça c'est une réfutation à deux sectes qui se sont égarées al roulette »« al roulette » c'est une réplique à ceux qui ont exagéré au niveau du prophète et qui l'ont levé au-dessus de son rang de messager et qu'ils l'ont pris par, ou lui ont donné des caractéristiques parmi les caractéristiques de la divinité de la seigneurie. Donc ça, c'est une réfutation en disant, abd, c'est un serviteur qui a accompli une servitude parfaite. Et c'est celui qui a la meilleure des servitudes parmi les créatures d'Allah. Et c'est ce, également une réfutation, c'est ceux qui ont rabaissé le prophète, en dessous de son niveau, qui n'ont pas donné son statut de messager. Et le professeur sallam avait la parfaite servitude Kamal et Abu nous Rappelez-vous, lorsque dans le dernier cours, nous avons vu que l'adoration est de trois types. Une adoration générale, qui concerne toutes les créatures, et une adoration spécifique, qui concerne les croyants, et une adoration encore plus spécifique, qui concerne les messagers et les envoyés. Et que le professeur sallam est le plus important de tous les... Envoyer les prophètes et les messagers, et c'est le meilleur des messagers, et c'est le dernier des messagers. Et les conditions de Ashadu Anna Muhammad, cela nous le verrons, comme je vous l'avais dit, dans le chapitre concernant la définition de la Pas le prochain chapitre, mais le cinquième. Que Isa est également son serviteur et son messager. Issa, comme nous l'avons déjà vu dans les trois fondements, il fait partie de Oul -Azm, ceux qui sont dignes de résolution. Ils sont cinq. Nous avons vu qu'il y avait Noé, alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, le père des monothéistes, Moussa Issa et Muhammad sallallahu qui est le meilleur parmi les cinq. Et là, le fait de dire que Issa, c'est son serviteur. Le serviteur d'Allah et son messager, également, c'est une réfutation à deux sectes. Comme le Prophète. Réfutation de sectes égarées. al roulette ceux qui ont exagéré au niveau du statut de Salam. Qui sont qui? Les chrétiens qui ont dit Isa, Ibn Allah, c'est le fils d'Allah c'est la trinité allah est tout suite de tout cela de leurs mensonges et de leur égarement et c'est une réfutation à qui à l'autre secte elle c'est ceux qui ont diminué son statut qui sont-ils ce sont les juifs qui ils ont dit que c'était le fils d'un acte de fornication car il n'avait pas de père. Et ils ont prétendu également qu'ils l'ont crucifié. Et ils ne l'ont pas crucifié. Il est retourné vers son Seigneur. Ou à quel Ici. Et sa parole C'est-à-dire, quelle parole La parole d'Allah. En disant... Que Isa, alayhi salam, il a été créé à partir de cette parole. Lorsqu'il a dit, kun, fayakun, soit, et il fut. Et Isa, c'est un être humain parmi les êtres humains. Adam, alayhi salam, notre père Adam, a également été créé à partir de terre et à partir de cette parole. kun, fayakun. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, soit, et il fut, comme ce fut, ce, ce fut le cas pour Isa, alayhi -il. salam. Donc, ils ont une chose en commun. Adam, alayhi salam, Isa, alayhi salam. C'est qu'ils ont été créés par cette parole. Et également créés de terre. Comme Allah, subhanahu il l'a dit. Et, à la différence, Isa de Adam, c'est Isa avait une mère. Maryam, alayhi Et que le, ça nous allons voir juste après. C'est qu'il a envoyé Jibril il il lui a insoufflé son âme dans Maryam, c'est-à-dire sa mère. Donc, il a été créé à partir de cette parole. Soit il fut et à partir, donc, il est écrit dans l'utérus de sa mère Maryam en l'occurrence. et une âme venant de lui. C'est-à-dire, l'âme elle vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, donc l'âme elle vient d'Allah. Et cette âme-là, elle a été insufflée avec l'ordre d'Allah par l'intermédiaire de Jibril, dans l'utérus de Maryam Que la paix soit sur elle. Donc cette âme-là, c'est un ordre sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle a été insufflée. Et cette âme, c'est une création parmi les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, « khalq min makhluqatillah wa ila ilallahi tashrifan. » C'est-à-dire qu'elle a été, c'est-à-dire qu'on l'associe à Allah subhanahu wa ta'ala tashrifan. Les gens de science, qu'est-ce qu'ils disent Allah a créé Isa avec la parole soit et il fut et que c'est Jibril qui a insufflé l'âme dans Maryam que la paix soit sur elle. Une règle ici concernant ce qu'on associe à Allah subhanahu wa parmi ses caractéristiques qui lui sont propres. Le fait de dire, par exemple, Ruhun Minhu, c'est une âme qui est d'Allah. C'est-à-dire qu'elle vient de Lui. Ici, Idafah. Donc, cette âme, elle est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, les savants, ils disent qu'il y a soit les créatures d'Allah, donc qu'on associe à Allah, soit il y a les caractéristiques qui lui sont propres et qu'on dit, par exemple, Yadullah. C'est-à-dire que c'est une caractéristique qui a été associée à Allah. C'est-à-dire que ça lui appartient. Et l'âme également. C'est-à-dire qu'elle est d'Allah. Qu et elle a été créée parmi les créatures qu'Allah a créées. Donc ici, les chrétiens se sont égarés, car en disant que cette âme-là, c'est une partie du créateur. Et ça, c'est un égarement manifeste. Nous disons pas que l'âme, c'est une partie du créateur. Nous nous disons que l'âme, elle vient d'Allah. Et il l'a envoyé à Jibril, qu'il l'a insufflé à Maryam alayhi salam. Donc, d'Allah, c'est-à-dire du début. Et non, elle fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette âme appartient à Allah et elle ne fait pas partie de lui. Ce n'est pas une composante d'Allah. Bien faire la distinction. Et attester que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Et cela fait partie du credo des gens de la Sunna et du consensus du groupe, comme quoi nous croyons que l'enfer... Et le paradis ont été créés, donc ce sont la création d'Allah subhanahu ta'ala, et qu'ils existent, et qu'actuellement ils sont présents, et qu'ils vont durer pour l'éternité. <inaudible> al jannata ala makana min al C'est-à-dire qu'Allah ta'ala va le faire rentrer au paradis, quels que soient ses actes. Et dans un autre hadith, dans une version qui était rapportée par Muslim, min abwab al jannah cest à subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait tout cela, qui a attesté qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré, que le professeur sallalem c'est son serviteur et messager, que c'est son serviteur et son messager, que le paradis est vérité, l'enfer est paradis, alors il le fera rentrer parmi les huit portes du paradis. Celle qui préfère, il pourra y rentrer. Parmi les huit portes. Ça c'est une version qui est rapportée par musulmans. Et dans la version de l'Bukhari, cest C'est-à-dire qu'il y a une autre version du hadith dans Sahih al-Bukhari qui dit qu'Allah va le faire rentrer, ce qu'il a dit toutes ces paroles-là, au paradis, d'après ce qu'il a comme œuvre, peu importe ses œuvres, il rentrera parmi l'une des huit portes du paradis, celle qu'il aura choisie. Là, l'explication des savants concernant cette parole, le fait qu'Allah le fasse rentrer au paradis, peu importe ses œuvres. Il y a trois paroles. « min salahi <susuré> min » C'est-à-dire qu'il rentrera au paradis, peu importe ses bonnes ou mauvaises actions. C'est-à-dire, en étant monothéiste bien sûr, parce que nous l'avons vu, on dit le hadith qu'il n'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, que, que Mohamed est le messager et le serviteur d'Allah, que Isa est le serviteur et le messager d'Allah, qui croit au paradis et en enfer. Il rentrera au paradis, quels que soient ses actes, bons ou mauvais. C'est-à-dire là, il va rentrer au paradis, même s'il si a énormément de péchés. Et nous avons vu que son entrée au paradis, soit il rentrera directement, et ça, c'est le cas des gens qui ont un tawhid parfait, complet, qui n'est pas entaché de politisme. Soit il a été entaché de grands péchés, de petits péchés, mais Allah a décidé de lui absoudre, absoudre ces péchés-là, effacer ces péchés-là, et il rentrera quand même en paradis en tout début. Soit il rentrera après un passage plus ou moins long en enfer. Deuxième parole des savants concernant ce hadith et ils disent que les degrés des monothéistes, le fil jannah, c'est-à-dire au paradis, ils auront des degrés en fonction du nombre de leurs œuvres. Plus il aura des bonnes œuvres, plus il sera dans un degré qui sera haut au paradis. Et nous l'avons déjà dit à maintes reprises dans nos cours, c'est que les gens vont rentrer au paradis par la grâce d'Allah et non pas grâce à leurs œuvres. Et que les gens n'auront pas tous le même degré au niveau des œuvres. Donc ils ne seront pas tous dans les mêmes degrés du paradis. Donc ça, c'est la deuxième parole des savants. Et la troisième... C'est que les gens, ici en fonction de leurs œuvres, ils vont rentrer au paradis. Soit en début, directement, sans châtiment, soit ils vont rentrer avec un passage plus ou moins long en enfer, car ils avaient des, un monotisme qui n'était pas parfait, et ils avaient des grandes, des grands péchés, ou des petits péchés, etc. Voilà concernant le hadith de Abed Samet. Nous allons passer au deuxième hadith. حديث عثبان قال ولاهما في حديث عثبان عثبان طبعا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. D'après donc Al-Bukhari et Al-Muslim rapporte également de Ibn Allāh interdit au feu, c'est-à-dire l'enfer, de toucher toute personne attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Recherchant par cela la grâce d'Allah. Ou le visage d'Allah. Il recherche en cela le visage d'Allah. Utban ici, c'est qui C'est Utban ibn Malik al-Ansari. C'est un compagnon du Prophète. D'ailleurs, à ce propos, tous les hadiths que nous avons cités depuis le début, Mouad ibn Abbas, Nawawi, il dit à ce propos, c'est que tous les rapporteurs, les quatre qui ont été cités depuis le début du livre, ce que ce sont tous des gens, des compagnons qui ont participé à la bataille de Badr. Donc ça, c'est une petite faïda entre parenthèses. Donc ce hadith est rapporté dans le Bukhari wa Muslim. an Muslim. C'est-à-dire qu'il a été rapporté d'après le sahih de Muslim. D'après Anas, C'est à dire, an ha, -dire qu'il a été rapporté également ce hadith. Où il y a une bonne nouvelle. On annonce une bonne nouvelle aux gens du tawhid, du monothéisme. <coughs> Donc ce hadith, il montre les mérites du tawhid. Et parmi les mérites du tawhid, c'est que la personne qui accomplit le tawhid se verra refuser l'entrée de l'enfer. Ça, c'est parmi les mérites du tawhid. Et l'interdiction de l'entrée en enfer, elle est de deux catégories. Soit il y a une interdiction d'entrée, c'est-à-dire Tahrim et c'est-à-dire qu'il n'entrera jamais en enfer. Donc il va rentrer au paradis directement. Soit Tahrim al c'est-à-dire l'interdiction d'y séjourner pour l'éternité. Et nous l'avons déjà dit à maintes reprises que ceux qui ont accompli le Tawhid, soit... Ils n'entreront pas en enfer, donc ils n'entreront paradis, ils entreront au paradis directement, soit ils n'éterniseront pas en enfer pour l'éternité, mais ils feront un passage plus ou moins long ou court en enfer, ensuite ils rentreront au paradis. Mais dans, tout, dans tous les cas, le monotiste, sa demeure éternelle, sera au paradis. Donc l'interdiction d'entrer en enfer pour ceux qui ont concrétisé le monothéisme. Ça, ça concerne ceux qui ont un monothéisme parfait et complet, non entaché de polythéisme. Mais ceux à qui on a interdit l'éternité en enfer, c'est ceux qui ont un, poly, un monothéisme plus ou moins entaché d'injustice, qu'ils ont des actes de désobéissance et des grands péchés, de pitié péché, d'innovation, ou même de politisme mineur. Parce que nous avons vu que ceux qui ont un politisme majeur ne rentreront jamais au paradis. Et ça, nous allons en parler, inshallah dans le chapitre 3. Chapitre 4, pardon. « tari bidalika jallah. En demandant cela, en, en recherchant par cela le visage d'Allah. Donc le visage d'Allah ici, qui est une caractéristique propre à Allah subhanahu et que son visage, il lui sied, caractéristique, lui est propre et que ne ressemble aucunement au visage de ces créatures. Donc, c'est-à-dire, c'est une caractéristique parmi les caractéristiques d'Allah. Et le meilleur des bienfaits et la meilleure des récompenses que les musulmans ou les Monothéistes plutôt, les, les croyants auront le jour du jugement dernier, c'est quoi C'est le fait de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Ça c'est la meilleure des récompenses que nous aurons le jour du jugement dernier pour ceux qui rentreront au paradis. Ensuite, également, le hadith de Uthman, il y a une histoire qui concerne ce hadith-là. Uthman, qui était cet illustre compagnon, sa vue a énormément baissé, de sorte qu'il ne voyait quasiment plus rien. Alors, il a demandé au prophète pour qu'il puisse venir prier chez lui. Il a demandé au prophète pour qu'il vienne prier chez lui, c'est-à-dire chez Itban. Donc le prophète a dirigé la prière chez Itban. Ensuite, il s'est assis avec ses compagnons, il était accompagné de quelques compagnons, et il a commencé à parler. Ensuite, il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui a posé la question concernant une personne. Qui est Malik ibn. Et il y en a un parmi eux, il a dit Cet hypocrite Et là le professeur Salman a rétorqué, il a dit Ne dites pas cela Et là, il a cité ce hadith Il a dit ne dites pas cela parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur Rappelez-vous dans la bataille de Badr Lorsque Oussam ibn Zayd il a pris la lance Il a poursuivi un mouchrique, un Quraïchite Il a voulu le tuer et ce Quraishit-là, il a dit « La ilaha illallah ». Et Oussama bin Zaid, il a cru qu'il l'a dit pour se préserver de la mort. Alors il l'a tué avec la lance. Ensuite, il est venu vers le prophète, il lui a raconté cette histoire, il a dit « Est-ce que tu as tué quelqu'un qui a dit « La ilaha illallah »?» Il a dit « Oh prophète, oh messager d'Allah, je l'ai tué parce qu'il l'a dit pour ne pas que je le tue, pour se préserver de la mort. » Il a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur Est-ce que tu savais quelle était sa véritable intention Comment tu peux savoir cela Et Oussama Zaid, il a dit, il n'arrêtait pas de répéter cela, le professeur Salem. Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir quelle était son intention Et tellement que Oussama Zaid, il était abattu, il a dit, j'aurais voulu ne pas être vivant ce jour-là pour que le professeur Salem prononce ces paroles-là, tellement il était attristé par ces paroles-là. Et là, le Prophète Sallallahu en l'occurrence, dans le hadith de Ibn il leur dit la même chose. Ne dites pas cela. Parce que Allah, wa Ta'ala, a interdit le paradis à ceux qui ont dit la ilaha illallah. Et d'ailleurs, à ce propos, le Prophète Sallallahu comme vous le savez, n'a jamais tué les hypocrites qui étaient avec lui à Médine. Pourquoi? Parce que pour lui, ils avaient montré l'islam en apparence. Mais le prophète ne connaissait pas leurs actes cachés ni les compagnons. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il ne les a jamais tués même si certains savaient qu'ils étaient des hypocrites mais le prophète disait nous ne lisons pas dans les cœurs. Seul Allah subhanahu wa lit dans les cœurs. Donc et c'est pour ça qu'il leur a rétorqué de ne pas dire cela. Voilà l'histoire concernant pourquoi ce, le prince sallallahu alayhi wa sallam ensuite il a récité ce hadith de, rapporté par Ithban. Comme quoi l'enfer, Allah il a interdit à l'enfer de toucher toute personne qui atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée et recherchant pour cela le visage d'Allah. Ensuite nous allons passer au hadith l'avant-dernier. Excusez-moi j'ai été un petit peu long. L'avant-dernier hadith. كيلو حديث دُو ابو سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضون السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه Hadith d'Abi Saïd al khudri qui rapporte du professeur qui a dit Moussa a dit Seigneur enseigne-moi une chose au moyen de laquelle je me souviendrai de toi et t'invoquerai Allah a dit Oh Moussa il n'y a pas de divinité d'être adoré ce n'est Allah jusqu'à la fin du, du hadith ensuite euh, Moussa dit Ô oh Seigneur, tous tes serviteurs disent déjà cela. Allah a dit :« Ô oh Moussa, si les sept cieux et leurs occupants, mis à part moi, et les sept heures étaient posées sur un des plateaux d'une balance, et que la parole n'a pas de divinité d'Allah était posée sur un autre plateau, la balance pencherait du côté de où est posée cette parole. Le hadith rapporté par Ibn el Hakim est authentifié par celui-ci. Donc là, Moussa, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui enseigne une parole pour qu'il puisse l'invoquer, se souvenir de lui. Et dans ce hadith, donc hadith rapporté par Ibn Hibban et Hakim, il l'a rendu, rendu authentique, c'est-à-dire al-Hakim. Al-Zahabi, qui est un élève de shéir l'Islam de Taïmia, et Ibn Hajar, qui est al dans l'explication de Sahih al-Bukhari, et également Ibn, Ibn Baz, L'ont authentifié, ils ont dit Asan c'est-à-dire qu'il a des chaînes de transmission qui sont bonnes. Mais par contre, le grand savant du hadith de ce siècle, l'imam al-Albani, al lui, il dit qu'il est zaïf. Même Shu'aïb al-Arnaout, qui est un grand savant du hadith, dit également qu'il est zaïf. Et la vie le plus juste, c'est que ce hadith, il est zaïf, c'est-à-dire faible. Parce qu'il est venu par la voie de Darraj, Abi et Darraj, ce Darraj, c'est un narrateur qui est faible. Et surtout, si il raconte le hadith d'après Ibn al-Haytham, alors il est encore plus faible. Donc, ce hadith, il est faible, mais le ma'na, le sens, il est authentique. Comme l'a rapporté Ibn kathir qui est aussi l'élève de Sherlisan al -Taymiya. Et qu'il y a une preuve qui vient conforter cela, comme quoi ce hadith, et là, un sens qui est authentique, comme le hadith de le hadith de la carte que nous vous verrons plus loin c'est-à-dire qu'il a une preuve qui vient l'appuyer comme quoi son sens est authentique Moussa alayhi salam qui fait partie des cinq prophètes qui sont doués de résolution donc demande à Allah de lui enseigner une parole pour l'évoquer et se souvenir de lui alors ici il dit Moussa c'est-à-dire ici la mas'ala, la dua, l'invocation, nous l'avons déjà vu dans les trois fondements. Elle est divisée en deux catégories. Dua, mas'ala, wa dua, ibada. C'est-à-dire une invocation du questionnement, c'est-à-dire tu demandes à Allah oh Allah, accorde-moi la subsistance, oh Allah, accorde-moi des enfants, oh Allah, accorde-moi le paradis, oh Allah, absous mes péchés. Et il y a la demande qui est dans l'adoration. Le fait que tu fasses la prière pour Allah, cela sous-entend que par cette prière-là, tu demandes à Allah qu'elle soit acceptée. Donc, il y a une demande à travers ton oui. adoration, comme il y a une demande à travers, par exemple, le pèlerinage qu'il soit exaucé. Une demande à travers le jeûne qu'il soit également exaucé. Donc, deux types de dua que nous avons longuement, d'ailleurs, commenté et expliqué dans les trois fondements. Et je vous invite à retourner au PDF et au cours pour plus de détails. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa, dis la ilaha Allah. Et Moussa, il a répondu en disant que tous les serviteurs disent déjà cela. Le fait que Moussa y dit cela ne veut pas dire que Moussa n'a pas donné d'importance à cette parole-là. Car c'est la plus, la, la plus belle des paroles. La plus importante et grandiose des paroles. Mais ce qu'il a voulu dire, Moussa, par là, c'est, et dans un, ça a été rapporté dans un autre hadith, c'est, accorde-moi une chose spécifique. Que tu n'as pas accordé à tes autres serviteurs et créatures Je veux une chose qui m'est propre Alors Allah a répondu à Moussa en lui disant Si les sept cieux et tout ce qu'ils contiennent Comme créatures en dehors de moi Et les sept terres, ce qu'elles contiennent Étaient sur un plateau d'une balance Et que la ilaha est sur un autre plateau alors, le plateau où il y a la ilaha illallah, va peser plus lourd sur la balance. Et rappelez-vous, je l'avais déjà dit dans un cours précédent, dans les trois fondements, que la ilaha illallah, c'est la parole la plus lourde le jour du mois dernier. Parce que le jour du mois dernier, les actes vont être pesés, les bonnes actions vont être pesées, et nous, également, nous allons être pesés dans la balance. Comme je l'avais expliqué. Et la parole, la chose la plus lourde dans la balance, c'est la ilaha illallah. Ensuite, nous avons donc c'est quoi? le bon comportement. Comme nous l'avons déjà vu dans l'Arbaïn en Nawaïyya. C'est-à-dire que qu'est-ce qui remplit les cieux en dehors de moi Ce sont les anges. Ils sont présents dans les cieux. Et que Allah, lui, il s'est il établi sur son trône au-dessus de ces cieux comme ceci est le credo des gens de la sunna et du groupe. D'ailleurs, à ce propos,

Et qui est sorti dans le recueil de Tirmidhi et de Ahmed, la meilleure des invocations, les ensemble, c'est quoi Le jour de Arafat, c'est ce que j'ai dit moi et les envoyer avant moi. La ilaha illallah. C'est la meilleure des invocations que j'ai pu dire. Ensuite, nous allons finir avec le dernier hadith. Nous avons été un petit peu longs aujourd'hui. Hadith de. الترمذي وحسنه عن انس الحديث انس قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب او بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. ترجمة او السيده دي Tilmidi rapporte un hadith qu'il considère comme Hassan. Bon, d'après Anas, j'ai entendu le professeur Sallam dire, Allah le Très-Haut a dit, ô oh, fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés pesant presque autant que la terre, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Ce hadith a été rapporté donc par Tilmidi, Wat Tabarani. C'est-à-dire avec une chaîne de transmission qui est bonne. Et ce hadith a été authentifié par le Al-Albani. D'ailleurs, ce hadith-là, ça va être le 42e hadith et le dernier hadith que nous allons expliquer dans l'Arba'in al al-Nawawiya. Et Ibn Rajab al-Hambali, dans l'explication de ces 42 hadiths al nawawi qu'est-ce qu'il dit Qui est le dernier hadith Il dit ce hadith-là, c'est-à-dire qu'il est, il est bon il n'y a pas de problème concernant sa chaîne de transmission et il a été authentifié également par Ibn al dans Madarij al et ça c'est un hadith qui aussi c'est un hadith qui est saint hadith saint nous en avons déjà parlé dans l'explication de 40 où nous en avons donné la définition donc c'est un hadith qui est rapporté du prophète sallam mais dont le sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala mais qui n'a pas le même statut que le Coran. Il y a le Coran, il y a le Hadith Qudsi, ensuite le Hadith du Prophète sallallahu La différence entre le Hadith Qudsi et le Coran, comme on dit les savants, c'est que le Coran est il a été protégé, il n'a pas été altéré à travers les siècles, alors que le Hadith Qudsi, vous avez des Hadiths bons, vous avez des Hadiths authentiques, des Hadiths avec un degré même moindre. et le Coran dit les savants tu n'as pas de, le droit de le réciter avec un sens qui est approximatif rapproché c'est-à-dire avec le sens uniquement chose qui est permis pour le hadith aussi, même s'il si y a un khilaf entre les savants c'est-à-dire une divergence mais la vie le plus juste c'est que tu peux rapporter le hadith qudsi uniquement par son sens si tu n'as pas euh, euh, mémorisé le, le tous les euh, le, 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 c'est-à-dire le détail des mots qui contient le hadith tu le rapportes de façon approximative c'est-à-dire le sens et que le Coran a le droit de résister dans la prière, ce qui n'est pas le cas du hadith Qudsi, etc. Nous l'avons déjà détaillé dans euh, l'explication des 40 hadiths de Nawawi. Qurabi, al ardi cest c'est-à-dire il venait avec ou avec une dhamma. Mais dhamma, c'est le sens le plus répandu. Avec, avec tous les péchés que contiennent presque la terre. Et tu viens à moi et tu me rends compte sans rien m'associer. Alors je viendrai à toi, au serviteur, avec autant de pardon. C'est-à-dire que là, tu viens avec énormément de péchés, mais avec un monothéisme non entaché de d'association. Ça, cela montre également les bienfaits du tawhid et que le tawhid c'est l'une des plus grandes causes qui va te permettre d'effacer les péchés. La preuve, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, même si tu viens avec tous les péchés que contient la terre, mais que tu m'associes rien, alors moi je viendrai à, avec, à toi avec autant de pardon. Cela montre que le taoï de l'unicité suffit à effacer tous les péchés en dehors de l'association. Donc voilà concernant ce hadith, et donc nous avons fini l'explication de ce chapitre. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والله تعالى اعلم اا وجه لكم موعد غد لتفسير منهج الشاليكين وان ننسوا اخوتنا الفلسطينيين الذين يعانون حاليا في دعائكم في كل صلاتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته